Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? C'est Virginie et bienvenue pour ce nouveau numéro du Live d'Ilafé. Alors pour ce nouveau numéro, l'image du jour c'est ça. On peut pas la refaire. Et oui, Citarane, Grand-Mère Cale, la Vierge au Parasol nous apportent des légendes urbaines et mythes à La Réunion. Aujourd'hui avec des invités d'exception, Brice Lee et Benjam. Bonjour Azad, comment il est ? Ça va bien, merci. Voilà, oui. Et toujours en compagnie de Karine, rien un peu Karine, le journal d'une bridée. Et de Reynaldo Decabix. Le journal pas bridé pour le coup. Comment ça va ? Très bien, où ? C'est là même. Ça va, ça va. Prêt pour l'émission ? Allez. Toujours en forme. Quand il faut parler Citarane, on est là. Ah ben, aussi au toi. Alors ben, on passe tout de suite à notre séquence, les invités du jour. Alors dans un premier temps, me propose Azad de parler un peu de cette actualité musicale pour Benjam et de l'humour pour Brice Lee. Musical aussi parce que mon album il sort bientôt là. Ah ouais. Attention. Et quoi que ou aussi Benjam non. Oui, aussi de l'humour. Sort bientôt, ben. Est-ce qu'on peut en parler à nous? Bien sûr, c'est un projet né de l'imagination un peu de Titi avec Lisiane. Enfin, on a fait un partage ensemble et parti du confinement. Et m'avait commencé à co-écrire un spectacle pour Titi. Et à un moment donné, il m'a montré les gimmicks que m'était venu mettre dedans. Il m'a dit, ben, allons faire ensemble parce que là, on ne comprend pas. Et suite à ça, on a invité Lisiane à faire le projet. Et puis, à la partie d'un cabinet de consultation, psychologue. Donc, à un moment donné, ça a fait l'humour. Titi s'est chanté et elle a donné un petit spectacle assez marrant et très intriguant. Donc, voilà. Et pourquoi elle a voulu lancer ça dans l'humour? Mais parce que moi, finis avec tous des styles de musique et c'est des challenges, ça, on dit, à la base, que nous vivons 20 fois. Et puis, ben, si on a quelque chose à faire, qu'on a envie de faire, ben, projette, on ne regrette pas. Ouais. Et plutôt des remords. Ouais. Et surtout parce que les gars, ils font Paris. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, ils trouvent tous les gars, ils font Paris, mais c'est un fait, un spectacle. Voilà. Et la musique, où la mettez, elle est vraiment de côté ou pas du tout ? Non, non, non. Toujours des projets, on attend de lancer un nouveau projet d'album. Et sauf que là, on n'a pas encore sorti parce que la conjoncture veut que Nathan un petit peu regarde un peu comment ça va. Sinon, nous sommes partis pour une belle tournée parce qu'on avait commencé à tourner en Afrique en début d'année et elle a stoppé. Donc là, elle a été décalée. Et ben là, nous attendons pour savoir si on s'en va. Mais toujours là dans la musique. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il fait les 25 ans de carrière. Un gros projet en préparation. Ben, voilà, une hâte. Et Benjam Simidiao, Tibou Créole, c'est quoi ? Eh bien, c'est moi. Tibou Créole, c'est une marque de vêtements que l'a créé quand on m'a dit que vient de commencer la musique. Il y a plus de 15 ans. C'est-à-dire, il me dit, cherche une marque. Il porte les marques ben, reconnues. Et il m'était identifié par moi avec, parce qu'il me dit, il sort de La Réunion, mais il ne connais pas ça, il me dit, ça va, mais il me dit, quelque chose. Ça, il me dit, il monte avec moi. Et que il me dit, voir qu'on avait à l'époque, comment s'appelle, Mohamed Dia, si on était sorti de la cité, l'a lancé. Il me dit, veut vraiment aller avec ça. Essaye de tenter quelque chose pour dire un jour, et bien, maman, elle sort de la cité, elle arrive avec ça comme bagage. Et c'était juste un rêve réunionnais, pas dire le rêve américain. American Jam. Dire que tout est possible, si nous mettons un peu de volonté, nous avons créé cette marque-là. Et puis le nom, là, était venu vraiment parce que mon petit collègue a fait avec les petits. Et à force de chercher, de trouver un petit bout de créole, c'est vraiment pour être modeste dans nos affaires et grande par la qualité. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit à nous qu'on a 15 années de... 25. 25, pardon. Les gars, tu peux connaître. En fait, c'est le Tibou Créole à 15 ans. Tibou Créole à 15 ans. Tibou Créole à 15 ans. Bien. T'es pris sur où ? Tu sais plein de choses, toi ? J'écoute plein de choses. Voilà, j'écoute bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ou aimerait aussi intéresser à tout ce qui se fait derrière la caméra, le côté production, etc., par exemple ? Oui, il fait quelques années déjà que j'ai lancé la production. Il y a quelques artistes avec qui je travaille, même à travailler. Et donc là, en ce moment, je travaille sur l'album de ma fille. Qui est en train de lancer, ben, étonné et super content en même temps. Et c'est très intéressant, mais je pense que c'est la suite logique à tout ce qui se passe. Et en même temps, ben, comme tout le matin, un peu à l'humour aussi, je trouve ça très intéressant. Et il aime l'écriture et donc la production. Donc voilà. Merci. Et où Brice, qui sont où les où ? Ben, tu viens de le dire, c'est Brice. Qui c'est où ? Moi, je suis Brice, je sors de Dan. Et ben, attends, nous donnons une petite vidéo pour nos internautes. C'est alors, si toi, tu ne connais pas qui c'est les Brice, on va constater. Brice, c'est ça, voilà. On va constater. Je suis en train de construire ma maison et à un moment donné, j'invite tous mes amis. J'invite tous mes amis pour la crémaillère, d'accord ? Et mes amis arrivent et là, ils se rendent compte que ma case est pour finie. Et voilà, et évidemment, il y a des questionnements. Il y en a qui vont me dire...
la brise, ben, le feu de crémaillère, ben, le. Il n'y a que gros œuvres, frère. Il n'y a pas le toit, gars, la fenêtre, pour rien. On ne peut pas faire un crémaillère dans ce cas-là, frère. Et pourquoi? Et pourquoi, mais pourra pas? Alors, vous la foule n'a pas fait? Il m'a fait mal. Ouais, en un pays, il fait inaugure la route sans pourquoi finir. Mais alors, pas, on a raison. Alors, à Aubry, toute l'actualité, c'est quoi? Ben, mon actu en ce moment, ben, c'est le spectacle avec les Comics 19. On en a quelques dates en mai et pour l'instant, je n'ai pas, pas les dates en tête. Bon, voilà, mais j'invite les gens à aller regarder sur nos pages respectives, hein, de tous les artistes qui participent. Et après, en juillet, mais ça passe d'ici Dieu, mais si Jacques ou Manu le veut bien, j'aurai mon spectacle solo, le deuxième, qui va sortir. Et c'est quoi les Comics 19? En fait, les Comics 19, c'est un mélange de plein de jeunes, justement, de plein de jeunes artistes, humoristes. Il y avait des gars qui faisaient des vidéos. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Dominique Maillot l'a mis ça sur scène avec plusieurs artistes différents. Et voilà, il donne un cocktail explosif sur scène, quoi. Et c'est qui votre préféré de la bande? Dis pas Reynaldo. Moi, c'est... C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mon préféré, ma point vraiment de préféré. Mais par contre, na haine là vraiment la fou. Moi, t'es fini de voir bonne Kabik sur scène tout ça. Mais par exemple, ton cousin, t'es jamais vu sur scène. Ouais. Et franchement, moi, t'es vraiment agréablement surpris. Ouais, vraiment. Et Brice, il fallait choisir entre la scène et les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, mais sans hésiter, c'est la scène, moi. Sans hésiter, parce que les vidéos, c'est vraiment un truc que m'y fait à côté. Mais moi, c'est vraiment la scène, c'est le contact public. Et c'est voilà, il faut absolument ça. Parce que moi, j'aime beaucoup improviser aussi. Et si m'a point une réponse en face de moi, c'est compliqué, quoi. Et c'est quoi, William, dans ces deux milieux-là? C'est partager, faire rire, c'est tout. C'est partager un message, surtout, et faire rire les gens, changer les idées aux les personnes qui regardent les vidéos ou qui viennent à autre spectacle. Parce que c'est agréable quand les gens y envoient un message, ils disent « Oh, la furie à moi pendant un court instant d'autre vidéo. Moi, là, oublie mon bon problème, mais la renie juste après. » Mais voilà, pendant cette vidéo-là, la coupe un petit peu à la réalité, quoi. Ça, elle est belle. Mm-hmm. Merci, Brice. Je t'en prie, avec plaisir. Je suis là pour ça, j'ai envie de dire. Alors, un peu de tontine dans le spectacle, je pense, si on voit l'affiche. Ah oui. Mais si, la tient mon tête, la mettre à tontine, t'as pas vu? Si. Il y en a une au milieu. Il y en a une au milieu, là. Voilà. On voit pas? Ça c'est pas moi, ça. Voilà, ça s'appelle un harem. Il manque encore plus, non? Ah ouais? Non, mais en fait, alors moi, la réponse que je donne à cette question, c'est qu'en fait, dans ce spectacle-là, il n'y avait pas de filles, mais maintenant, il y en a une. Mais le truc, c'est que les filles font leur spectacle aussi de leur côté. C'est peut-être pour ça. Et après, m'y lance un appel aussi aux jeunes demoiselles. Par exemple, Karine, pourquoi pas venir sur scène, délirer un petit peu, parce que voilà, qu'on la goûte la scène, ou bien puis... Karine, il trouve plus les mots. Alors, nous continuons tout de suite avec nos concepts d'interview. Alors, sur le digital, nous, on a plusieurs concepts d'interview. Le qui saoulé, le co saoulé, etc. Alors, on me propose de tirer au sort un petit papier. Et ce sera Karine. Non, Miri, parce que... Non, parce qu'en fait, j'ai une anecdote sur mon ami, là. Allez, raconte. Tu as envoyé les questions. Voilà. Et lui, il a répondu à tout. Il t'a envoyé ça. Bien sûr. C'est cool. Non, c'est cool. Non, mais les amis, ça, c'est l'habitude, ça, les harceler dans le sang. Alors, comme vélo, ça, il n'oublie pas. Exact. Alors, c'est qui tire au sort pour Zod 2? Oh là là. Alors, il faut nous choisir un monde qui tire au sort pour nous. Zod 2 doit tirer au sort et celui c'est pour Zod 2. Alors, je n'ai pas compris. Là où tu as un papier, oui. Et la conséquence du papier, c'est pour Zod 2. Donc, c'est qui soit lui qui tire, soit c'est où qui tire? Non, Zod tire au sort un papier. Et l'interview que sera sur le papier, ça sera pour Zod 2, c'est Karine qui fait. Non, ça l'a pas compris. Si. Allez, donc, il y a coupe la feuille. Allez, vas-y. Maintenant, trappe le feuille, mais coupe pas. Les gars, on trappe bien feuille. Hein. J'ai vu les gars trappe feuille, mais allez. Et ils déroulent. Déroule le tableau blanc. Panda, pandémie. Sur le Covid. La pandémie. Est-ce qu'on a on peut appeler un ami ou une deuxième chance? Non, pas du tout. Appelez un ami. Alors, ça les prend ou pas? Non. Ouais.
Sûr. Il faut nous répondre, nous deux, les mêmes réponses. Non, pas les mêmes réponses. Et la réponse, après, Benjamin dit sa réponse. D'accord. Ok. Je t'en prie, Benjamin. Bah, attends, il y a même pas encore. Ah, je croyais que c'était la première question, pardon. Je connais Gaëtron un petit peu des fois. Pour ça. Alors, où ça s'est télé le premier confinement? Je t'en prie, Benjamin. La case. Et ben. Et ben, la case aussi. Mais la case où ça? Dodan. Saint-André. Ah, Saint-André. On a 4 000 Saint-André autour de la table. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, il passe un big up aux 1500 habitants de Dan. Big up. Ah, ce n'est que 1500. Ouais, mais 1500, des biens, quoi. C'est des bons moons. Voilà. Juste pour Saint-André dans des mauvais moons. Non, après, il passe Saint-André dans des mauvais moons, mais parce que les 4, les mauvais, les là. La résine, viens, ça bataille. La résine. Je retire ce que. Bon, on arrête la discussion, on arrête les questions. Tiens, un papier. Dis ça, floute à moi. Tout le long, ça coûte ça. Alors, quel souvenir, Zotiga, de ce confinement? J'ai remis à vous de tour. Ben, moi, j'en garde un bon souvenir parce que ben, ma femme et mon petit garçon, donc nous l'a bien vécu la chose. Et ouais, ça reste quand même un bon souvenir. Un très bon souvenir, un peu fatigué, parce que là, la fête c'est à nous et qu'on avait travail pour faire. Mais en même temps, c'est quelque chose, les gaillards, c'est que la terre a respiré. Et ça, c'est très important que nous prenions connaissance, parce qu'on oublie que tous les jours, nous travaillons, la fumée, les en l'air, nous dit que ben, t'as tout fait. Et ils pensent que ben, les Chinois, ils doivent rien à nous, parce que derrière ça, nous porte masque. Voilà. Mirez bien. C'est le dernier représentant de la communauté. Est-ce que ça a pu être du virus? Alors, non. Non. J'ajouterai le plus, non plus. Ok. Voilà. Est-ce que ça s'y croit aux théories du complot? Oui. Oui, et je dirais même plus, oui, plus. Non, le casque. Non, mais enfin, après, nous voit tellement de choses et nous entend tellement de choses. En fait, on ne connaît plus le vrai ou arrive plus à démêler le vrai du faux. Parce qu'à un moment donné, on te dit de ne pas mettre le masque. Après, c'est obligatoire et voilà. Et à un moment donné, wow, on dit, ben, ouais, il peut y avoir un petit complot. Ouais. Voilà. Moi, je dis juste, on ne nous dit pas tout. Voilà. Alors, causez sous l'azote le plus dans la pandémie? La pandémie. C'est chiant tout, en fait, c'est la pandémie. Voilà, en fait, c'est la pandémie. L'incertitude. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas ce que ça fait demain et il commence à gasser à nous énormément. Déjà, on n'a plus de sport, on n'a plus de boîte de nuit. Et aujourd'hui, on peut sortir, demain, on ne peut pas sortir, confiné le week-end, confiné pas. Et en même temps, c'est un malaise social de fou parce qu'on a des gens qui tentent de perdre des emplois à force et s'il ne fait pas un cas, il concernait tout le monde. Parce que quand il dit à un moment donné, ma main aura faim, il se va voler. Et là, nous, on est en pleine crise. Et même, il tient à dire que si tu rouvres les boîtes de nuit, ben, du coup, ça tu rouvres le sport, les soirées sociales. Ils ont tiré ouvre toutes les boîtes de nuit parce qu'on a tous les écosystèmes. Donc, rouvrez les boîtes de nuit. S'il vous plaît. C'est grand vite, ouais, les gars. Il y a un gars. Il y a un gars. Il y a un gars. Rappelle même plus comment il frotte. Le mec, comment il frotte. Quand il va en boîte, il dit allez, danse, mais rappelle plus qu'un. Le gars, il danse en télétravail, moi. Quel bon. Je connais que ça m'appelle en force avec le temps. On dit, je m'appelle, c'est que ça arrive. À un moment donné, comme on n'a plus le droit, c'est un mètre de distance. Mais que ça arrive pour faire un bisou, bien câlin, que ça arrive comme on fait. Maison Wi-Fi. On rappelle le film là, Demolition Man. Demolition Man. Avec Stallone et, comme on peut dire, Wesley Snipes. Le gars, il vient du film. Ah, ben ouais, on connaît pas ça. Aïe, 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 il faut regarder le film. En fait, quand il dit comment, à un moment donné, le gars, il sort du futur et il revient dans le passé. C'est pas moi. Et il dit comment là, avant, nous t'embrasses. Et en fait, il dit maintenant, il ne touche plus. Ils mettent masque et puis ils nous touchent à nous comme ça. Mais c'est hallucinant le truc. Il est dedans. Il nous fait câlin virtuel, il nous embrasse virtuellement. Jamais. Non, même là, non. Non, il faut être touché. Je t'ai fait pas comme avant, toi. T'as un moment toujours été VHL. Toujours été un petit gars MSN, bisous sur l'écran. Ah, carrément. FaceTime en mode de. Comment? C'est moi. Alors, conseil manque à Zot depuis la pandémie?
Mais la pandémie. Non. C'est la fête, les rencontres, comment dire, le plaisir de vivre. Mmh. Et là, il bloque à nous énormément. De mon les plus sociables. Depuis, on dirait, de mon la pandémie, là, vraiment, ressort certains côtés. Ils ont dit, oui, maître Max, il dit pas bonjour. Ah, mais content, il dit bonjour. Ah oui, là, tchèque, bon, c'est là. Ah, il dit pas bonjour. Ouais. C'est tout le monde. Et là, les gens, il a toujours ce bon sentiment-là, et ben va arriver à dire, tu sais, ma virus, tchèque. Il ne faut pas oublier ça. C'est, ouais. Que nous, ouais. C'est un prétexte pour faire sortir. Voilà, aujourd'hui, la Covid. C'est l'excuse. Je ne peux pas, j'ai Covid. Ouais. Je peux pas. Ouais. Alors, comment vous tient Forme Azote? Enfin, les réseaux, avec les sites internet, quoi, les sites internet d'info. Antennereunion.fr, l'info.re. Oui, voilà. Exactement. Et puis, Dominique Ozenta, de toute façon, dès que si nous n'avons pas gardé la télé à soi, demain nous connaît. Les réseaux, ils savent très vite. Alors, si Zot te peut téléporter à Zot sans motif impérieux, où ça Zot te ça va? Là, tout de suite, là? Ouais. Ou pendant la pandémie? Enfin, là, tout de suite. Donc, partout dans le monde. Franchement? Enfin, je nourrirais ma cas avec ma famille. Ouais. Franchement, ça ne va pas plus loin que ça. Moi, parce que là... Non, il n'y a pas de souci. Bon, je vais y aller, les gars. On va pas dire nous, t'es cluster. Ok. C'est bon. Plutôt cluster dilapé. Pas mal. Oh. Bon, on te rappelle qu'il y a un bâtonnier à la sortant. Non, maintenant, à l'arrivée, le... Dans le. Ah ouais, c'est quoi. Maintenant. C'est... Ah, mais moi je vais tester. Bah, il faut bien. Il ne faut pas mourir à couillon. Ouais. En premier. Ouais. Dans le. Ouh là là. Je... Mais il faut en fait. Ouais. C'est, non, pour, non, c'est pour avoir la bonne température. Mais tu veux tester, mais comme les voix du Seigneur sont impénétrables. Hein. Il ne fait pas, mais là, n'a gardé. Il a dit, bah plus vite. Il a dit, quand ils mettent là, s'ils ne marchent pas, il a essayé de donner du lag. Avec le même. Merde. Avec le même. Oui, exactement. Avec exactement. Le même. Mettre le même. Au moins, les siens apprennent bien, les voix d'affaires. Ouais, c'est ça. Les folkloriques, hein, les gaillards. Après, il dit beurre, beurre, comme si le train existe vraiment. Quoi. C'est, d'arriver enfin, ce matin, on a des infos. Voilà, c'est génial. Ah, mais non, c'est un poisson d'avril à La Réunion. C'est un poisson d'avril. Oui, c'est un poisson d'avril. Oh, ah, flûte. Est-ce qu'on a quand même du positif dans cette pandémie? Plein d'ouverture. Plein d'ouverture, parce que là quand même fait 6 à nous, et m'y pense qu'il y a avoir de bonnes réflexions. C'est-à-dire, nous oublie qu'à force de tous les jours aller travailler, à force de, travailler pour vivre, je vous dis, hein. Il n'oublie qu'il y en a du temps que nous réserve plus pour nous. Et donc, assise avec ma mère, comme il a dit, les moments où je dis, allons faire quelque chose à la maison, ou bien, il y a plein d'affaires vraiment positives à la sorte dedans. Et après, on a aussi le fait que, moi, le truc positif que moi, l'a vu, c'est que les vrais métiers indispensables, mmh. Aujourd'hui, nous remarquons c'est lesquels, quoi. Tu vois, les vrais métiers où, voilà, on a les soignants, mmh. Les médecins, tu vois, c'est des vrais... Enfin, les métiers où ça l'était un peu, voilà, c'est mis un peu de côté. Ben, et là, aujourd'hui, on voit que, voilà, ben, il existe. Et les dommages, il faut attendre un totochement comme ça pour dire que ben, il existe. Et juste avant, on a été pour dans le chemin. Ouais. Juste avant. Voilà, dans le chemin pour crier pour d'autres métiers. Et d'un coup, on a des héros. Voilà. Et les dommages, tu vois, les dommages. Et après, on a remarqué aussi qu'il y en a qui font pas leur taf, quoi, j'ai envie de dire. Parce que... Bon, on va pas rentrer là-dedans, les gars. On parle de qui? Alors, est-ce que ce type pense à finir à jouer avec le Covid? Oui, obligé de toute façon. Il pense que déjà, avant que le Covid arrive, on a déjà des solutions. Mais sauf que c'est de l'or. C'est pour ça qu'on ne nous dit pas tout. Le vaccin, c'est de l'or. Tout ce qu'il y a autour, le business que tu as fait pour Max, tout ce qu'il y en a autour, c'est de l'or. Donc, il faut attendre un petit peu. Et après, on va voir. Pas trouver. Dans toutes affaires, trouver. Donc, voilà. Ouais, après, il y en a des grosses épidémies là, disparaître comment la fièvre. Enfin, on avait grippe espagnole. Tout d'un coup, la disparaît. Enfin, voilà. Après, il y avait beaucoup de morts aussi. Donc, à un moment donné, je pense que l'a atteint le. Mais voilà, c'est. Mais je me trouve dommage que pour quelque chose comme ça, qui prive à nous de tout, de vivre, quoi. Ouais. En fait, il prive à nous de vivre pour. Pour pas mourir, mais nous vivre pas. Donc nous, enfin, nous meurs. Voilà, nous meurs quand même. Des molles. Des molles, même. Molles. Et moi, il pleurait, pardon. Émotion, émotion. Le gars est ému. La résine, mouchoir, la résine. Raconte maquillage. Oui. Première chose que ça doit faire après la pandémie.
Ah, où ça, on boit tout, ça, on boit tout. Ah, même il pense... Et après la pandémie, il pense que nous, enfin, la scène, c'est une affaire qui manque, scène, c'est un gros concert ou un gros événement. Mais qui réunit deux mondes, c'est un big événement. Et pour bien rattraper le confinement, ben, le conseil est juste 6 mois, les amis. Ouais. 6 mois à la scène, programmation, 6 mois. Que... Il arrête plus, ouais, il reste plus, ouais. Ouais. Mais après la pandémie, je pense que le plus important, s'il n'a plus vraiment le virus, c'est aller faire un câlin, vraiment, tous les gens que vous aimez. Voilà, ça, c'est mon mémé. Il veut faire un câlin, mon mémé, mes gars, il n'est pas rencontré. Il fait un an, un, deux... Non, pourquoi faire un câlin, ma mémé, quoi. Les graves, quoi. Les horribles, hein. Les durs. Mais c'est qui, ouais, c'est Benjamin. Ah, c'est Benjamin. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais c'est pareil, t'as l'air de dire c'était moi, mais t'as l'air comment ça s'est monté. Et c'est incroyable ce truc là qui rappelle, puis fait bizarre, hein. Le rôle des artistes dans cette pandémie. Et pourquoi on finit de questionner là? Le rôle des artistes dans cette pandémie, écoute même. Brice, ça plairait vraiment, là. Il y a bien la table. Je sais pas, c'est quoi, c'est du nacre? Non, non, alors le rôle des artistes, ben, nous n'a un très très grand rôle, je pense, parce que nous, enfin, même dans la vie de tous les jours, même hors pandémie, nous n'a l'artiste, la culture, ça n'a un rôle très important. Et ça, les dommages, c'est que pendant la pandémie, nous n'est pas indispensable. Tu vois, on est des gens qui ne sont pas... c'est pas grave si vous n'êtes pas là en ce moment. C'est pas grave. C'est dommage. À pleurer. Non, mais... Laisse pas monter, Brice. Laisse pas monter. Mais quoi, j'en casse. Ben pareil, le troll, si je dis, c'est vraiment de faire passer de bonnes vibes. C'est-à-dire de dire les gens... Nous, en tout cas, le gars reste positif. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, nous la prenons la main dessus, mais en tout cas, nous soutenir ensemble. Parce que dans le truc, ça dit quelque chose, ça fait taper main dessus, peut-être t'allais me faire. Mais sera sûr, écoute. Live, tu l'as fait là. Si nous tous ensemble décidons de faire quelque chose de bien, mettre la main ensemble, nous pourra lever. Pareil, nous, le temps de jouer Monopoly, on a deux jeux Monopoly sur deux têtes et tous les baissés comme moi. Le jour où nous tous va décider de lever ensemble, il va changer énormément de choses. Comme aller dans le chemin ensemble, comme porte Max ensemble, comme tenir la main ensemble. Mais c'est ensemble. Sinon, si un ça va devant, l'autre reste derrière, après, ben, s'il a gagné, tout le monde est derrière, ben, s'il a fait taper tout ça, puis ça n'est plus là. Et ça, c'est juste une prise de conscience énorme. Voilà. Exact. Ben voilà, on a fini. Merci Karen. Merci Karen. Alors très très enrichissant. Vraiment, vraiment. J'ai kiffé. Top. Alors ben, on passe maintenant au thème du jour. Jingle. Jingle. Alors en début d'émission, me disait Azot que le thème du jour c'était. Spéculation et science-fiction. Voilà, c'était les légendes urbaines et mythes à La Réunion. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Oui, oui, bien sûr, Brice. Alors, nous, ça parle de superstition, tout ça, tout ça. Mais nous, tu veux aussi avoir les avis de nos internautes. Et à la question, est-ce que Zot y croit ou pas aux mythes et aux légendes urbaines à La Réunion, Zot l'a été 53% à répondre que oui, contre 47% de non. Et Zot, autour de la table, est-ce que Zot y croit en ça? À midi, j'allais 47% de non, là jamais ni Faya. À quoi tu dis ça? Parce que Faya, c'est pas de bonne traite. Vraiment, les gars. Vraiment, les amis. Faya, on s'attendrait tout court. Non, mais s'attendrait tout court. Ouais. Mais plus précisément, Faya. Voilà, Faya, Oumar, je suis en train de coups de balle. Mais sinon, la porte, maison Valia, mais femme tout seul. Voilà. Et les gens urbains. Les gens urbains. Ça, c'est les gens de mon jeu, ça. Maman a vu ça. On l'a vu, vous devriez. Non, Valia, mais ouais, c'est histoire. C'est quelque chose, frère. Ouais. Et Zot si. Ben, m'y crois, moi, c'était parce qu'il raconte ça. J'étais dans l'autre pourcentage, mais là, je suis tombé dans le 47. Ah, j'ai basculé. Là, je crois. Ouais, je crois. Non, mais après, on a des choses que, tu vois, dans ta vie, tu vois des trucs et tu te dis, wow. Est-ce que Zot a vu des trucs, Zot? Moi, j'ai vu un truc une fois, comme mais quoi? On dit pas? On lui laisse pour dire? Non, en fait, j'étais. Allez, m'y raconte, Zot. C'était, en fait, c'était sur une plage. T'es jeune, t'es bonne d'allons, ça là. Et en fait, on était en train de pique-niquer, tu vois, la nuit. Enfin, quand on payait dans son lit, on pouvait. Et à un moment donné, on a une fille. Elle a
transformé, tu vois, mais une transformation c'était pas bizarre. Non, c'était pas ça, c'était l'autre. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, vraiment, elle a transformé et en fait, maintenant elle est d'Alon, il s'appelle Ludo, et en fait, elle a poussé mon d'Alon, tu vois, elle est comme costaud, tu vois, c'est un gars, et le gars l'a volé, la vole 5-6 mètres là-bas, et en fait, bah, elle a tenir à elle, elle a commencé à tenir son cheveu, de mon côté, tenir son cheveu, tu vois, et tu vois, moi, ça, la reste dans ma tête, et jusqu'à maintenant, m'y pense, ça y est, encore, frisson, et sur moi, parce que. Tenir mon cheveu, c'est pour ça, m'a laissé mon cheveu pousser, au cas où, s'il arrive au moins un jour, les gens, ils peuvent tenir mon cheveu. Non, mais après, il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs où on voit des choses, où on entend des choses, où tu sais, est-ce que les vrais. Mais voilà, mais. Non, mais Nana, je pense que dans ce monde-là, moi, c'est ma pensée, hein, franchement, je pense que Nana, des gens, les assises autour de nous, là. Salut, tonton. Nous, non, là, non. Ils viennent pas mal non plus. Mmh. Ouais. Ah, ou c'était quoi, au Benjamin? En fait, avant, en même temps, quand jeune, tu commences la musique, on a plus de 20 ans. Et mes soeurs étaient concernées, à l'époque, moi, pas un PMI, donc ils déposent à nous, c'était Casal en bas, et ils me montrent. Et donc, au moment, le soir, arrivé mon chemin, ben, la pointe lumière. Et à un moment donné, ça, c'est toujours cette sensation, c'est comme si on le suivait. Alors, je suis resté regardé, il n'y a pas personne. T'es mirante, t'es là, de monde, ferme ma liste, c'est mon camarade, ça. Elle me dit, il ferme le portail, mais comme ça, t'es mieux, regarde. T'es mieux, t'en es un petit peu, il me dit, bien ça, je vais y avoir. Tu me trouves pas. Mais bon, peut-être mon imagination, alors que mirante, prends mon bain, ça dort, mis tout. Elle m'a dit, Ben, tu t'es maman, il dort, il faut lever la main, fais-le à un moment. Il me dit, viens, où la chambre? Maman, oui. Bon, là, ça va dans la chambre. Hein. Ben, elle a longtemps m'écrit au Ben. Hein. Ben, t'es maman, pourquoi ça m'a les cuillères? Là, ça va. T'es maman, arrête de faire moitié, maman, toi deux. Oh. T'es là, ça va. Il reste un salon. Ben, viens où? T'es un petit coup sur ça, t'es mis à pousser la porte, maman, doucement pour moi. Maman? Un petit coup sorti. Et mais autant comme il pose la porte, Ben, viens, on dit, allons. C'est un petit coup sorti. Il roule la fenêtre devant, comment? Il me dit que c'est ça. Ben, viens, on dit. Petit coup sur ça. Mais dis, maman, j'en ai même pour qu'elle me dise, même que Max est là. Ah, mais t'es arrivé, chien, mais on t'a, mais ben, t'as poussé, mon gars. T'es maman, tu m'attrapes la Bible, comment? Madame, la Bible. Tu vas la dire, la peine. Tu trappes la Bible. Mais là, grave, parce qu'elle me raconte sa maman, ça donne, elle fait suivre, ou ça. Mais deux fois, elle arrive au matin, quand maman rentre tard, elle m'a dit, jusqu'à un certain âge, je me dis, mais arrête, rentre trop tard. Ouais. Donc, le gars rentre ses yeux, son cœur. C'est à cause de lui, le couvre-feu. Ouais, ça fait le matin. Et Zot. Bon, moi, du moment que m'y voit, ça que donne milieu chemin. Mi machin et mi croix parce que mi veut pas gagner le soir sur moi. Ça ne monte pas sur ça. C'est chinois ça. Maman m'a jamais vu de train extraordinaire sauf un fois, me rend mon cas, tranquille, musique dans mes oreilles. Toujours passe le toujours. Soir même. Ouais, mais à maman me rend le soir, mais pense à un tas de bêtes, tu ne suis pas moi. Pense à un fait la queue devant la carte. C'est bien qu'il est rond, les gars. Il arrive, il marche, ouais, comme il passe devant mes ovales, mais il me trouvait super joli. Donc, mi a toujours tendance à garder. Ouais. Passe devant la maison, va dire, mets une musique dans mon oreille. Et toutes les volets étaient fermés, sauf deux volets étaient ouverts. Et m'avait l'impression que le mouni ferme tout le temps, l'oubli fermé. Et la vitre intérieure est fermée, hein, le bon volet extérieur. Et avant, c'est mi garde. Et là, gars, frisson, il passe sur moi, moi, tes autres, tu vois la caméra. gars, les deux volets, ils ferment. Et ouais, c'est bon volet avec le bâton, il tourne comme ça pour coincer. Ouais. Les deux volets, ils ferment. Le bâton, il commence à incliner, comme si c'est un mouni, attrape le bâton. Et le zafé, il ferme. Et il ferme pas en mode. Les gars n'avaient point un vent, n'avaient point rien, m'a vu ça, m'a baissé la musique dans mes oreilles, m'a détalé mon gars, les gars. Et m'a pas dit rien, maman, m'a pas parlé de ça, m'a rentré, il était en mode. Est-ce que là se passait, est-ce que là pas se passait, il est sûr que là se passait. Et c'est le seul train paranormal vraiment m'a vu dans mon vie. C'est tout. Mais il a fait pas d'amour, les gars. Ah, c'est clair. Et maintenant, comme pas devant mes chevaliers, me prends. Il y a pas de maison, il y a pas de famille. Ah ben, moi non plus, jamais. Pas encore. Ouais, du tout, ben, j'espère pas. Il est juste derrière. Imagine. Gardez-le. Attention à toi. Ouais, à soi, parce que t'es mes homalies. Et est-ce que tu penses qu'à la Réunion, nous, on est trop superstitieux, justement? Beaucoup. Ouais, mais trop, non. Enfin, après, il faut quand même cette petite part de d'irréel pour nous rester dans le réel, en fin de compte. Parce que si nous sommes trop dans... Ouais,
même dans notre, dans, en grandissant, quand on est petit, il dit oh, fais pas ça, il apprend à aussi à rendre tout, ta, enfin, tout chez vous, ouais. De ne pas faire de bêtises parce qu'il pourrait arriver à ça. Et c'est une manière de protéger à nous aussi. Les parents, là, fait ça. Après, tu dis oh, saute pas dehors midi parce que nana, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. On avait dans le temps, je me rappelle, quand on était jeune, on avait l'auto rouge. Oui. L'auto rouge, t'es volé marmaille, mais non, c'est un fourgon blanc. L'homme coq. Ça a changé de couleur. On en parle de l'homme coq. L'homme coq. L'homme coq. C'est quoi ? Mais l'homme coq. C'est une histoire, c'est pas un gars à lire le livre Petit Albert, et a transformé en coq. Et du coup, ben, maintenant, le gars, c'est un homme coq perdu. Des fois, de mon niveau. Et il y a des gens, la vie, il y a même des enfants, la vue, il paraît, hein, des enfants. Ouais. Parce que ma belle famille raconte un petit peu, parce que de côté de Saint-Paul, il dit il y a des gens, la vue, même des enfants, la vue, l'homme coq. Avec une tête de coq, quoi. Il y a bien un livre au balier, les amis, c'est le Petit Albert. Tu l'as fini ? Et bah, du coup, non, Virginie, parce qu'il ne faut pas lire. Bah, ouais, connaissant. Non, mais à ma connaissance, moi, c'est tout m'il ira pas avoir. Quoi. Vraiment, les gars. Si, ou ça va devant la maison Valiamé. Ah alors, Petit Albert. Hey, yo, vous pensez à une histoire. Ah, mais il fait penser au Petit Albert. Non, on pense à un livre. Mon arrière-grand-mère avait un livre de tisane. Et dedans, le livre de tisane, la curiosité, il te regardait un peu. L'après-midi, il était tout seul. Bon, il ne s'est pas dit le jour parce que sinon, ça fait baiser. Et enfin, comme tu as lu le livre, et à un moment donné, il arrive sur l'histoire de cette image que tout à l'heure, a postée là. Il me dit, par curiosité, mais il m'a toujours parlé, a toujours entendu parler, mais tu veux lire le livre. Donc, comment se lire le livre comme ça? Et puis, il me dit, mais ce livre-là est intriguant, mais seulement on sent l'atmosphère devient lourd là-bas. Hein. Il continue à lire les histoires. Et moi, je dis, mais ça arrête de lire les livres là, maman, et tout ça. Et là, t'as la famille, fait comme un pas à la porte et bah mais ouh, c'est ma famille. Les gars, foulé, il n'a pas porté avec boum boum boum. J'ai eu chier, les gars. Il m'a fait le livre, la porte fait bah. Oh, c'est ça. Ah ben après, on m'a plus lié le livre. Ah ben là, quand mes espèces, c'était pas Petit Albert. Et est-ce qu'il y en a un mythe ou une légende que la marque a d'autres depuis ton petit? De tête là, enfin. Je sais pas si t'as Ran, Grand Mercal, voilà. Grand Mercal, le mythe de Grand Mercal, des affaires. Voilà, tu racontes, ouais, à un moment donné, quand le chien aboie, Grand Mercal, il passe. Il avait un petit cri bizarre. Et que passer du à quoi, on n'a jamais sorti pour vérifier, mais il a toujours dit. Et moi, je me rappelle, comme tu es jeune, on avait un truc aussi, enfin, mes grands-parents, ils disaient, moi, t'es bébête toute. C'est quoi? En fait, c'était un bébête, t'es dans le fond de la rivière, en fait. Dans le fond de la rivière, où t'entends toute. Et c'est ça en fait, il n'y a pas de bébé tout. C'est un moulin pied sur la barre. C'est exactement ce qu'on a. On va écouter un gâteau de bordu. C'est le salarié, ma mère. Non mais vraiment, c'était bébé tout, mais je pense qu'on a des gens qui voient. Ne rigolez pas, merde. Arrête de rire. Non, vraiment, et c'est un truc que la bébête tout. Et en fait, c'était un bébête, là, t'as dit c'était un bébête, mais apparemment, c'était un oiseau, mais j'ai jamais entendu d'oiseau qui fait tout, à part couicoui, oui, mais tout. Donc, ça marche pas, normalement. Et donc, voilà, non, mais après, on a cette histoire-là, que le bébête tout, t'es très bonne maman, et maintenant, comment on rit pas, bien. C'est ça. Il a quelqu'un d'un bord rivière. Tout. Qui c'est là? Est-ce que ça, tu rentres à l'envers cette case après-midi, Zot? Rentre à l'envers? Oui, oui, avant. En marche arrière. En arrière, ouais. Avant. En marche arrière. C'est vrai. Ouais. Tu fais ça, avec maman, tu fais PA. Quand on rentre le soir, arrive un lieu, il faut rentrer par le dos. Moi aussi. On fait ça? Oui. Ah, moi, non. Après minuit. Non, mais là, maintenant, non. Il est épi, la couvre-feu. C'est après minuit, en fait, mais oui, ouais, pareil. Parce que c'est pour. Faut. Parce qu'on a des âmes qui se promènent. Voilà, il paraît, il faut rentrer. Voilà, faut rester face à Zot. Donc, on rentre. Comme le ça, problème, ils ne suivent pas jusqu'à dans la case. Ah, moi, personnellement, je ne sais pas quelles âmes ils oseraient suivre moi jusqu'à dans le fire. Mais je ne crois pas, Manaï Vanille. Manaï, arrête devant fire, dis tes gants, ça, je suis vraiment là. Fire, il y a un excellent. Non, mais. Dès l'arrivée des histoires, quoi. Franchement, maintenant, non, on fait plus ça. Il ne m'a pas attendu, mais. T'arrives à l'histoire? Arrive encore des histoires à fire. C'est un MeToo ou c'est un vrai histoire? Non, c'est un vrai histoire. C'est arrivé. Non, tout est maman, hier soir, dans le fire. C'est ça.
Fayard. Bon, ça voilà. C'est la foule. Petite parenthèse. Petite parenthèse, Fayard. Les gars, Fayard, reste la année. Ah. Et le mythe sur les cheveux à mailles à La Réunion. Est-ce que tu crois en ça? J'ai pas là, là, j'ai pas compris là. Voilà. C'est quoi? En bas, Réunion Brice. En bas, Réunion Brice. Reviens. Reviens. Ah, mais attends, c'est. Est-ce que vous êtes sérieux? Tu peux pas savoir. On peut pas connaître. Ou j'ai connaître. Non, les bébés qu'on a cheveux à mailles et tout là. Est-ce que tu crois à ça? C'est ça. C'est quoi le mythe? Ben c'est que ben les cheveux à mailler et après les gens ils s'attiraient. Ouais. Soit la chapelle, soit la Vierge Noire. Mais c'est souvent les métis. Hein. C'est souvent les enfants métis que Nana a ses cheveux maillés. Hein. J'ai rarement vu un bébé chinois avec les cheveux maillés. Ouais. C'est, à part si le papa les rachète. Chinois, il rase la tête, cheveux trop droits. Ah, cheveux trop droits. Tu vois, un petit peu plus métis. Hein. Comment nous rendre dans les. Non, mais les voilà. Il y a plein de gens qui font ça à la Réunion. Moi, ils tirent les cheveux. Moi aussi. Oui. Tous les jours, je vais mailler le frère. Mais et on l'a vu la vote. Oui, mais on non, mais non, on peut se moquer. On peut, mais toi, Benjamin ne peut pas. Benjamin ne peut pas. Ali ne peut pas. Ah oui, il dépend le jour. Voilà. Ah, c'est le matin. Le matin, il voilà. Connais comme ça. Virginie, c'est toi. À la régie, mettez photo Virginie le matin là. Comme si. Et en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que bah, les mythes, les légendes, ils font partie un peu du patrimoine de la Réunion Ah oui. De la culture même. De la culture, parce que c'est, comme il dit, c'est, nous l'a été élevé avec ça en fin de compte. Ouais. Et c'est une assez certaine chose que la permet à nous d'aller dans le droit chemin, parce que tu dis à nous, allez pas, c'était aussi dans le chemin, parce qu'il peut arriver où ça? Ou la crue, mais la rendre au service dans un sens, quoi. Peut-être t'es menté aussi, ben, voilà, mais après, c'est pas d'après les grands-parents, tout ça. Mais comme il dit, on a des choses que nos bonnes grands-parents, nos bonnes ancêtres te racontent à nous, des fois où t'es, voilà, zaï.internet, zaï.internet, t'es pas inventé de ça là-haut. On a des choses que t'es pas inventé. Nous, aujourd'hui, une gratuite, on dit, ouais, attends ça, je vais faire cette blague là, tu vois. Elle est pas... Mais dans le temps-là, on avait point internet, toi. Et quand il racontait au bon train, on dit, ah ouais. Ah, okay, effectivement. On a... Vous l'avez vu le film Avatar, papy? Non. Ben, c'est exactement ce que tu me racontes, papy. Tu vois, des trucs comment, quoi, les mettants. Mais comment ça se fait que bah, de nos jours, on a encore des gens qui ont peur d'en parler? Expérience. Après, enfin, il y a des gens qui croient parce qu'ils ont des expériences. Soit on a une expérience, ça vit vaine, et il n'y a pas tout le monde qui réagit pareil. Il y a des gens qui ne veulent pas en parler parce que ça, il a des, on va dire, des cicatrices, on va dire. Il n'oublie pas, ben oui. Et donc, il ne veut pas en parler. Il y a des choses, on ne raconte pas n'importe comment. On a des noms et de certaines divinités, il dit qu'il ne faut pas dire. Parce que, après, bon. Soit on a des gens qui ont dit, oh, maman, on veut tester là-bas. Et il y a des gens qui disent, bon, ben, ok, mais maman n'a pas envie de tester, donc je ne vais pas essayer. Voilà. Si on dit, maman, il croit. Parfois, pas de problème. C'est un peu comme la sorcellerie aussi, non? Voilà. Très tabou à La Réunion. Oui. Ouais, mais... Moi, il y a une petite histoire aussi pour raconter les autres, mais qui concerne pas exactement. Concernant un gars Cobuston. En fait, c'est un gars. Son Facebook. En fait, le gars, tu crois pas bonnes histoires. Ils mettent un train d'ennemi de la route, là. Voilà, tout le temps, ils étaient les gars, tout le temps. Et un jour, il décide de baiser un coup de pied dans un van, dans le rond-point, exactement comme Buston, là, où ça met tout un gars, il fait n'importe quoi. Tout est à la pharmacie, de toute façon, non. Bref, et ben, il a baisé un coup de pied. Et depuis ce jour, il voit un chien qui court derrière lui et n'a pas de chien. Donc, vous pouvez être avec le gars coma. Tout d'un coup, le gars, il bloque, il démaille parce qu'il voit un chien. Et il y a plein les gars, le chien, mais n'a jamais de chien. Donc, c'est pour ça aussi, mais je crois un petit peu mon trait, parce que ben, l'ami vit à travers notre monde. Ben, les gars, où sont rationnels, les touchés, ouais. Le gars, il voit un chien, il n'a pas de chien. Donc, voilà, juste pour mettre un petit peu de l'huile sur le feu encore. Voilà. Ben, pas coup de pied d'avant, les gars. Bon. Bon, je pense qu'on va faire un petit chapelet avant de partir. En plus, rentrer chez nous. Ouais, donc. Eh ben, on se joue. Mémé, tu n'as rien entendu. Bienvenue dans le morning, Mémé. Une petite histoire à raconter, Benjam. Une petite histoire. Ah oui. Il y en a plein. Ah oui, je me rappelle. Pareil, Mamaï, il y en a une. Parce que tu sors, tu es un talent de nuit, toi. Et comme tout ça, tu conseilles, tu es avec un camarade, il nous arrive en face de la piscine Saint-André. Il dit, on a fini de boire des petits coups, on va rentrer, il faut décrire un peu. Et d'un coup, un gros chien, comment tu appelles ça? Dog argentin. Il sort, il vient poser devant notre pied. Et là, il ne bouge plus, gros chien pose devant notre pied. Et juste avant, on était devait aller parce qu'il devait prendre la voiture. Et le camarade qui conduit. Ça a reçu un van. Là, il devait prendre la voiture. Et en fin de compte, pour nous sortir, il fallait descendre à chemin des Chanets. Et le chien posé était là pendant un moment. Et bien, il n'a pas bougé.
Par contre, juste après, quand là prend combien? Prenons au moins 15 minutes. Le chien est parti à lever, est parti là-bas. Nous rentre, nous prend juste le matin. On avait un accident juste au chemin des Chaniers, en même temps, ça était en place. Puis il raconte, on me dit, le chemin des Chaniers, juste à côté, il explique les histoires là-bas. Tu connais, c'est quoi un ange gardien? Mais ben, oui, mais il m'a entendu parler là-bas. Mais c'est tout ange gardien, parce que ça va le même endroit, c'est l'accident juste après. C'est Léa, c'était pas Léa, ben elle est là, elle fait ça juste là parce que vous l'avez peur. Et ben elle arrive, ça derrière, puis non, il fait halluciner. Enfin, wow. Ça vous croit pas. T'imagines que ton ange gardien s'appelle Bobby, quoi. Ouais. Merde. Bobby couché. Scooby-Doo. Mais après, il y a des petits trucs aussi, comme, je sais pas, mais je pense finalement, nous toutes, ça, c'est peut-être dans la tête aussi, le subconscient, c'est que, ou fait un truc, mais où dit, ma fille vive ça. Et c'est exactement le même truc. Ça dit non, ça. Tu vois, ouais. Ça, où, ouais. À un moment donné, tu te dis, oui, c'est peut-être dans la tête, mais dans ta tête, il n'y a pas tout le monde qui était là en même temps. C'était pas. Quand les sensations déjà vues. Oui, ouais. À un moment, on avait regardé un traité scientifique là-dessus. Il dit, oh, c'est quoi le cerveau? Il pense trop vite. Mais il y a une fois, il arrive à moi, il m'a eu une sensation déjà vue. Et m'a pu anticiper ce que ça arrivait après. On m'a dit, ah, c'est là, moi, ça se passe, ça m'a fait comment? Et là, se passe le train, ouais. Donc, il pense que ça, c'est un train mystique, ça, en fait. C'est ça. Rien scientifique. Non, on n'a pas rien scientifique là-dedans. Parce que tu tombes tout seul à la maison. C'est-à-dire quand vous faites pas encore des trucs en silence et d'un tourné un truc ting. Mais tu me feras penser à jamais venir chez toi. Viens pas chez la jambe, mais quand même pas le père. C'est pas seulement chez moi, ça arrive vraiment. Ouais, non, mais partout, à moi, là, tu n'as plein non, mais même la nuit, tout va être télé ou mettre le son. Ou antenne à faire, pas dans la télé. C'est pas possible. Ou baisse le son, n'a plus. Ou remettre le son, ou entend le train. Ben là où t'as une télé, où ça dort. Et quand t'as une télé, ça dormit, t'es là, il y a bon, on peut parler d'autres choses. Ouais, ouais, voilà, on peut bah refaire une mot... autre émission sur c'était un autre sujet. Parce que là, cette émission d'Halloween, merci. C'est ça, il fait peur de monde là. Alors, ben, avant de quitter nous, nous proposons un petit jeu. C'est le jeu des Dédalons. Tout de suite, jingle. Bon, les amis, il m'a un petit peu émoustillé, c'est mon premier chronique ici. Il y a vol, mon chronique. Non. Il est menteur. Vous partagez. Alors, à moi, mon chronique est simple, les gars. Simple, là, un petit papier là, ça c'est des gages. On explique à Zot pourquoi. Mais ça raconte à Zot trois lots d'histoires à chaque fois. Et il n'y a qu'une seule les vraies dans les trois. Si Zot y trouve cette les vraies, c'est moi, on a un gage. Si Zot y trouve pas, c'est Zot, on a un gage. C'est bon? C'est bon. Mais le mangage est simple, ouais. C'est genre fait bonne salto ou fait deux yeux d'apnée, bonne train. C'est simple, les gars, inquiète pas. Ok, alors, comme tu peux savoir, dans la culture réunionnaise, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de mythes et beaucoup de légendes urbaines. Moi-même, ça parle de légendes urbaines, de choses que de monde raconte, soit pour sensibiliser la conscience des gens, ou bien des histoires vraiment que là arrivé. Ok, donc, nous allons commencer par la mini-légende 667. La politesse ne paie pas. C'est ça le nom de la légende. En fait, c'est au Japon, c'est bon braqueur, c'est bon gars, la partie braque un banque. Ouais, ben, elle arrive, ça braque autre banque, ça braque le coffre. Tout l'a bien se passé. Ouais, ben, elle a barré avec le coffre, toute l'argent, t'es correct. Voilà. Et comme ben, elle est un petit peu prétentieux, ben, elle a dit, nous envoie une petite lettre à la banque pour remercier ben, d'avoir donné tout ça l'argent là. Du coup, ben, elle a envoyé une lettre. 5 ans plus tard, Bana avait mettre le gant tout, hein, là, il écrit une lettre, tu vois, quand il écrit avec bonne silette, il colle l'œil. Hein. 5 ans plus tard, la trappe azote, parce que les tests ADN l'a changé et que l'a retrouvé, que le manga, en fait, avait lèche le lettre. OK? Ça, c'est la première histoire. Azote, désormais, c'est vrai ou pas, mais attends, les autres. OK? Mais elle déverrouille mon téléphone, parce qu'il n'est pas sur papier. La deuxième histoire, mini légende 550. Une tête d'enterrement. C'est le nouvel an en Argentine. Tout le monde attend de faire la fête et tout, voilà. Donc, quand c'est nouvel an, des fois, bonnes enfants, ils ne fêtent pas en famille, c'est plus Noël. Donc, il y a une fille, il appelle Maria, elle dit ça fait la fête avec son mandalon. 24 heures plus tard, il est toujours pas rentré au cas, son parent, il inquiète. Et comme par hasard, dans le quartier, ben, il y a une personne qui est morte. Voilà, et du coup, bonnes parents commencent à inquiéter, ben, là, ça vérifie le corps. Manque de peau, le papa y arrive, ben, il reconnaît son fils. Du coup, ben, elle est triste, c'est le deuxième jour de l'année, ben, elle a pour hanter avec votre fille, en quelque sorte, toi, elle a fini de faire des obsèques et tout, machin. Et pendant l'enterrement, qui sait-il voit arriver? Maria, à son propre enterrement. Et en fait, c'était pas lui que le papa l'avait reconnu, c'était un autre monde. Du coup, le papa l'avait trompé.
Deuxième histoire. Troisième histoire. Tram, on va au Toliné. Tram, il veut être ventoliné là. On va au Toliné, moi là. Ou arrive ou problème entièrement. Et pas mal quand même. Ou arrive en retard en plus. Mini légende. 8543. Le cadavre du métro. En 2005, un corps a été découvert dans le métro de Paris. Il s'agissait en fait d'un petit délinquant, après avoir regardé les caméras, que t'es pour jouer n'importe comment dans le métro en fait. Et en fait, il était pour taper sur la vitre. Et au moment où ça, il a fait pète la vitre, là, il y a eu un effet de succion, et du coup, il a été éjecté du métro, et là, retrouve son corps plus tard. Du coup, voilà. Voilà mes trois histoires, les amis. Oh là là. Dans ces histoires, il y en a deux histoires que les faux et une histoire que les vraies. Et ça doit trouver laquelle. Oh. On appelle un ami. Mamie pense. Ouais. Tu vois l'histoire de. On a les braqueurs. Ouais. La meuf qui arrive à son enterrement et le gars qui l'a fait aspirer dans le métro. Mamie pense que le truc de la fille là, c'est bien ça. Et tu vois, c'est plus irréel que le. Ouais. Enfin, c'est bien. Mais pense, hein. C'est l'enveloppe, ou pense? Non, mais parce que si tu connais, tu dis. Non, mamie pense que c'est l'enveloppe, mais il est pas sûr. Que les vrais ou que les faux? Que les vrais. Ok. Mais la petite. Arrête, fille, arrête. Non, arrête, non, il veut pas se gage. Ouais, l'enveloppe, allez, bah, à vous deux, moi. Azote, de bien voir, laisse-moi t'entraîner. Oui, c'est ta vie. C'est la vie pour. Ah, bah là, c'est pas fait le défi, Zote. Le gars, je te fais pas ça. C'est possible. C'est possible, hein. Bah, toutes les possibles, en fait. C'est possible. Nous, on ne connaît pas. C'était possible, mais. Je pense que le petit fil à moins. Suivant, là. Non, suivant, ouais, mais alors... est-ce que tu. Enfin. Les gars, on est déjà à 3/4 les gars. Ouais, allez, suivez. Tu dis Maria. T'es winner, au moins, ouais. C'est ça même, le tout vrai. Alors, le gars, c'est pour gagner l'album. Le gars, c'est pour moi. Ok, il sort un papier. Ben, au pire, je peux me garder. Ouais, c'est une vraie histoire. Mais vont les autres les sources après les autres. Ils veulent pouvoir mettre en commentaire même. C'est une vraie histoire. Mais donc, c'était pas la fille, c'est vraiment. Ben, c'était pas son fille en fait. Et du coup, c'est le numéro. Et après, il me va dans le numéro du gage. Là, les gages. Bon. Tu connais les gages ou pas? Ah, c'est toi qui les connais les gages. Ils sont à moi déjà. Et c'est, alors, bah alors, attention, hein, entre le 1 et le 3, c'est quel le pire? Non. Vas-y. Tiens. Ok. C'est quoi? Il doit appeler un contact au hasard dans mon téléphone. Il a fait la vie, il t'a rien mangé. Non, c'est bien, oh my god! En live. Attends. Les gars, c'est chiant, les gars. Appelle-moi, gars! On va manger ensemble. Et au parleur, hein? Tu choisis pour lui. Hein. Oui. Allez. Par contre, on n'a pas le droit de choisir. Ou scroll? Non, on peut pas choisir dans mon répéteur. Ça fait appel à Emmanuel Macron. Connaissant. Ou scroll. Après, on peut faire comme ça parce qu'après, il sera là jusqu'à la fin. Stop. Jean-Laurent Faubourg. Quoi? Le gars, il répond jamais. Le gars, il répond jamais. Allez, les amis. Ouais. Il est bon. Là, vous pouvez même là. Le gars, ça fait répondre. S'il répond pas, il annule. Hein. Ah, mais c'est un message. On fait un deuxième essai. Ouais, c'est un message. Imagine le roi répondre. S'il répond là, mais il est plié, les gars. Parce qu'il répond vraiment jamais. Écoute. Maman, il est près de toi. Bon, laisse un message. Laisse un message, hein, sinon. Salut, Jean-Laurent, même ça. Bon, ben, l'ami qui n'est pas répondu à vous, alors, je me propose soit ou rappel à notre moment, ou bien soit vous laissez un petit SMS, puis dire moi s'il est urgent, ou bien soit on va y mettre un petit mail, jeanlaurent@gmail.com. Sinon, ça, ben, t'es en train de retrouver. Salut Jean-Laurent, comment il est? Ouais, c'était pour savoir quand est-ce que t'es disponible pour que nous mangions un petit coup ensemble. Moi, j'aimerais discuter avec vous de quelques petits trucs quoi, intéressants, des projets. Avec un gars qui s'appelle Brice Saint-Maurice, il vient de commencer, il pourrait faire quelque chose de bien. Donc voilà, quand on a mon message, rappelle à moi. Et bah, merci beaucoup Jean-Laurent Faubourg, bonne soirée à vous, au revoir. Ok! Merci les amis! Je sens que le gars il a un petit peu de timide! Ok! Voilà! Oh, c'est bien, c'est cool! Partie 2 maintenant! Partie 2, non, encore des histoires, encore 3! Ah non! Quoi?
Tu veux faire encore, on peut continuer. Non, mais ce sera le jeu. Ce sera le dernier. Oui. Ce sera nous faire un dernier, parce que ma PL, là, il vous a tipé d'un coup. Mais attends, Marion. Combien de temps? Est-ce qu'après, on refait le jeu ou c'est bon, ça compte pour le jeu? J'ai l'impression que ça, c'est un jeu. Oui, voilà. Ça ne pas être trop long. Yes. OK. Allez. OK. Partie 2. Trois nouvelles histoires, trois nouveaux faits. OK. Mini légende 98. À Sydney, en Australie, un jeune étudiant, en fait, le gâté pour marcher tranquille dans le chemin, et tout d'un coup, il fait agresser par un bon gars. Hein. Le gars, pour faire agresser par un bon gars, le bon gars commence à payer, il vole ce bon train et tout, et tout d'un coup, sorti de nulle part comment, plusieurs ninjas y apparaissent, ils totachent le bon gars, ils s'envalient, et le gars est retrouvé en mode, ben, finalement, il n'a pas fait ce bon affaire parce que la bonne ninja, sur la balle, alors on guette le gars. Gâté Fire. Ah, c'est gâté Fire. Fire pour être ninja, ce monde. C'est l'histoire numéro 1. C'est le vrai. Mini légende numéro 2. Non, pas, non, c'est pas la 2, c'est la deuxième, mais c'est la mini légende 5761. Le bulletin baladeur. C'est un gars, il a gagné l'auto. Il y a prendre ça derrière le bar, en fait. Il dit dans le bar, il y a gagné l'auto. Et le gars, il y a du sinon. Le gars, il dit, t'es, il a gagné l'auto. Il garde le bon numéro, il garde. Et, ouais, il rend les comptes, c'est ça. Il crie, ouais, j'ai gagné l'auto. Il y a que son bon pote, en fait. Ouais. Mon pote dit, t'as gagné l'auto. Moi, t'as un coup là. Au final, son petit trappe le ticket, il garde le ticket, ouais, le gars vraiment garde l'auto. Mais au final, tout le monde, il retrouve Azot à vouloir garder le ticket, ouais, c'est vraiment le gars à gagner. Ouais. Et au final, le ticket, il revient dans son poche et tout. Et il rend compte que c'est pas son ticket, que c'est un autre ticket d'un autre moon. Et qu'au final, 2-3 jours après, un moon a parti récupérer le bon gain, que l'était au final son ticket à lui. Voilà, du coup, il a payé son ticket comment? Histoire numéro 2. Histoire numéro 3. Un petit peu plus longue, c'est la mini-légende 239. Choléra Express. Ces deux potes, ils battent au Pérou. Ben, ils battent en vacances et tout. Ils étaient après ici et tout. Ils étaient arrivés là-bas. Ils commencent à chiller et tout. Ils étaient arrivés dans l'hôtel. Chacun a son chambre. Ils posent une bonne valise. Ils étaient ça, fait la tournée des bars et tout. Ils étaient rentrés sous le soir, pété. Les deux y arrivent. Chacun y tourne dans son chambre. Le lendemain matin, les deux gars, ils lèvent. C'est comme si c'était où et moi. M'y lève, m'y rouvre la porte. Mon pote, m'y vient au chambre. Il n'a pas personne de chambre. Il dit, ben, Bruxelles. Le gars barré, comment entre d'où, il appelle là-haut, le gars répond pas, ouais. Le gars répond pas, moi je comprends pas, mais il barre le consulat de mon pays pour regarder, ben, est-ce que le gars est rentré ou... Introuvable, le gars. Quelques temps plus tard, il apprend que, dans la nuit où il est mort du choléra, mais que l'hôtel la décide de cacher le train pour pas faire une mauvaise pub pour l'hôtel. Donc le gars, en fait, son pote était mort et l'hôtel la cache ça. Ça, c'est la troisième histoire. Laquelle est vraie maintenant entre les trois? C'est ça la question, les amis. Choléra Express, bulletin baladeur et les ninjas. Mais est-ce qu'on peut mourir du choléra dans, aussi rapidement? Ma question. La régie bah, est-ce, qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut appeler un ami hein choléra. Ça, moi, j'élimine le choléra. Ouais. Je regarde sa réaction. Élimine ce mot. Moi, j'élimine peut-être aussi les ninjas. Ouais. Je vois sa réaction. Moi aussi. Bah après, il reste rien qu'un. Hein. Ouais. Ah, que la Dininja. Non, soit aussi le Rinald. Non, moi, soit aussi mon frère. Non, moi, soit aussi mon frère. La PL, la fine appel à évoluer. Ah, oui, pour les coups. Ah, oui, pour les coups. Le loto. Hein? Moi aussi, je suis le loto. Le loto, ouais. Le loto. Le loto. Ouais, c'est ça la vraie histoire pour vous autres? Non, mais vous, juste la confirmation, du coup. Allez, vas-y, choisis. Eh ben, c'était pas ça! C'était les ninjas en fait. Le manga la agresse un gars côté un dojo. Et en fait, le manga t'es sorti juste un entraînement de ninja en fait, toi. Tranquille, tac-tac. Et ben là, vient un gars pour faire agresser. Le manga a débarqué là, on guette le manga. C'était les ninjas, les amis. Donc cette boîte, elle est pour vous. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Alors, c'est pas sympa. Vu le gage, ça me stresse un peu. C'est pas un ninja par là, peut défendre la boîte. Ah tiens, zéro. Hein? Zéro. Ah, y'a pas de chiffre. C'est non. Dommage, hein, c'est molle. Bon, c'est, ben... C'est... Oh, bah, on annule, hein. On annule, hein. Zéro. Ouais, zéro. Ouais, zéro. Elle en a un gage, zéro. Non, mais... Zéro, c'est soit t'as l'album tout de suite. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas tout de suite. Alors, c'était quoi, j'en 5? Alors, pour le coup, Benjam, qui sait prendre le gage? Normalement, c'est les autres deux, ils prennent le gage. Je deux, pas trouvé. C'est mettre pendant une journée. Oh merde, photo de... Sur notre réseau principal, une photo, la photo que Marion a fait tout à l'heure de nous en photo de profil.
Alors, une jaune. Et nous vérifions après. Par contre. Hein. Ouais, ça va, le gars, ça va. Ouais, ça va. Mario, on va les photos. Mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais. C'est pas le même joueur que tu penses. C'est un autre. C'est un autre joueur. N'oubliez pas, parce que nous regarde après. Oui, bah oui. En photo de profil, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. C'est cool, c'est mignon. Tranquille. Quand il dit là qu'il est gage. Mais c'était bien, le gage. Alors, on fait beaucoup de sangle. S'arrête un peu là, moi. Ninja, j'aurais jamais dit. La fille Rinaldo ouais. Ben en vrai, nous on trois autres packs d'histoire, mais c'est en fonction de sinon encore le temps. Non, merci Rinaldo. Mais de rien, merci, les amis, mais c'est très enrichissant. Très enrichissant. Ninja, t'es pas mal. Juste une petite question, les autres. Il y avait quelqu'un, t'es vrai. Les autres, tu l'as inventé ? Non, les autres m'a pas inventé, mais en fait, m'a regardé les gens du Urban et c'est des légendes en fait. D'accord. Et qu'au fil du temps, de Mounia où ça l'est vrai, ça t'est pas vrai, il y a des sources et tout. D'accord. Mais il m'a pas inventé. Non. C'est une histoire qui existe vraiment et que c'est des vraies légendes du Urban en fait. C'est ça le concept. Très intéressant. Très intéressant. Alors, mais l'émission, il arrive déjà à sa fin ? Non. Mais pourquoi ? Et avant de quitter à nous, il propose à d'autres un petit mantra du jour. Alors, vous connaissez quand même un petit mantra Un mantra c'est pas un grand mantra, voilà, c'est un petit mantra. C'est un mantra qui mantra dans le futur. Alors, on va dire que c'est une affirmation positive. Alors, tout de suite, les portes de la paresse. Alors, selon les portes de la paresse, chaque jour qu'on rouvre Dieu, oublie pas d'y mettre si la caf. Yes. Ring, ring, ring. Surtout quand c'est les 5. Ben voilà. Ben c'était le mot de la fin. Merci Brice. Merci. 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 Merci Ronaldo. Et nous, ben, nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro du Live de la Fée. Salut tout le monde. Bye bye.